Comment vous allez? Y a Rachel, Mariam Touré, Laure Christiane Babo, comment ça va? Ok. Merci beaucoup, merci pour les cœurs déjà. Bon, j'ai pas le temps, hein. Je m'en vais en livraison. Il y a un pays où j'ai laissé le zizi, is, elle. Partagez, j'arrive, il faut qu'il envoie le zizi. Ah oui, hein, oui. Est-ce que. Il y a un pays où c'est resté, oh. Amunia, où c'est resté? Où est le kit? Bon, on va montrer le produit phare. Je suis là. Je ne sais même pas où c'est. Ouh là là, c'est pas grave. Mes amis, vous allez bien? J'espère que oui. Sidonie, Caboret, merci beaucoup. Partagez parce qu'il y a une information très, très, très importante. Vous êtes sur la page des femmes respectables, ouais, des femmes qui sont capables d'aller chercher leur mari, c'est sur cette page-là que vous êtes. Vous n'êtes pas sur la page des Kizas, hein, les Kizas, celles qui ne sont pas capables, qui se disent belles, et puis elles se cachent derrière le mari des autres. Vous n'êtes pas sur leur page. Donc, si vous avez de la misère et que vous supportez difficilement mes paroles, ben, allez-y sur les pages où on fait la promotion des Kizas. Ici, c'est la page des gens qui ont l'esprit de famille, des femmes qui sont capables, oui, parce qu'une belle femme, c'est une femme qui est capable. Même si son nez est penché, elle a un gros nez, elle a de gros yeux, elle n'a pas de fesses, elle n'a pas de pieds. Ses bras sont minces, mais si vous voulez, une femme qu'on dit laide, mais qui est capable de taper dans l'œil d'un singleton pour s'attraper son mari, c'est elle, on dit une belle femme. Donc, ma chérie, si tu es belle, que tu te caches derrière le mari des autres et que tu n'es que la femme qu'on vient voir les soirs et puis le monsieur lui va se coucher avec sa femme. Tu as une femme zéro pointée, tu n'as pas de valeur. Voilà. Donc, si vous faites la promotion de ce genre de choses-là, allez sur les pages où on fait les promotions. Ici, là, c'est la page de Maman dans Canada. La femme a ses idées claires et puis ça ne chauffe pas. C'est ça qui est là. Donc, bienvenue sur la page des femmes respectables, hein? Des femmes qui ont des opinions claires. Rapidement, je vais vous présenter les produits. Ça, c'est le produit Zizi Is Is L. Vous me demandez, bon, je reçois les messages en inbox, l'importeur explique-moi le Zizi, Is, mais vous entendez Zizi, maintenant Is, hein? C'est les produits qui sont fabriqués, oui, pour les zones froides comme où on est ici, là. Hein? Ici, là, souvent, il fait froid, avec le travail, tout et tout. Mais j'ai dit, la façon dont tu sors et puis ton corps a froid, là. Mais c'est comme ça, là-bas aussi, prend le froid. Donc, parfois, là, hein, la vitesse à laquelle ça devait aller, là, ça ne va pas à la même vitesse. Donc, ce produit-là est fait pour ça, voilà. Et c'est un produit qui fait, ça dit, tu masses ça. La direction où tu amènes là, c'est là-bas, ça s'en va. Si tu dis ça s'en va au nord, ça s'en va là-bas. Tu dis ça va au sud, ça s'en va là-bas. Mais il ne faut pas hein, se blaguer. Faut pas avoir une kikinette au rez-de-chaussée ici. Et puis tout de suite, après deux massages, tu as dit, ah, les pâteuses là, mais son produit n'est pas efficace. C'est parce que tu ne fais pas bien. Il faut bien prendre le temps. Ça dit, c'est comme un produit genre à base de beurre de karité mélangé avec des choses. Tu masses ça bien. Ça va grossir. Les filles aussi, au lieu d'aller mettre les culs magiques là-bas, oui, c'est écrit dessus, hein, je ne suis pas en train d'inventer. Au lieu d'aller mettre les culs magiques là-bas, tout et tout, pour que ça devienne gros, vous pouvez prendre ça pour masser les fesses, pour masser aussi les seins. Oui, les seins que vous voyez là, quand on refait les seins là, il faut les masser, il faut entretenir la poitrine. Une femme doit entretenir sa poitrine. Donc, c'est ça qui est là. Ah oui. Parce qu'après, ils vont dire que oh, c'est produit qu'elle fait là-bas. J'ai dit que moi, je suis une femme mariée. Mon mari là, on a le même âge. Je ne suis pas mariée, elle est vieux. Mais à un moment donné, à cause du travail, à cause de la fatigue, à cause du froid, il dit, chérie, faut prendre ça, tu vas essayer. Hein? Toi, tu es Saint Thomas. Bien sûr, tu fais la publicité, tu es là, tu regardes ça de loin, faut essayer. Mes amis, quand il a essayé, on ne peut pas tout dire ici. Ce n'est pas tous les secrets qu'on donne. Mais le roi et moi, là, on a essayé, ça m'a pas. Le zizi, il hein? C'est ça qui est là. Ça donne la puissance là-bas. Donc, c'est ça. Le zizi, ça vient avec un kit, hein, c'est tout un kit.
Il y a le kit qu'on appelle Libido Booster. Je ne sais même pas où Wendy a déposé. C'est elle qui a mis mes étiquettes. Voilà, le kit, tout et tout. Si vous ne voulez pas le kit, que vous voulez le zizi seulement, rentrez en contact avec moi. Le contact, c'est là. Ça ne ment pas. C'est un produit qui a été essayé. Voilà. Après ça, qu'est-ce que je vous présente? Je vais vous présenter, oui, les casseroles, il en reste un peu. Il en reste un peu de casseroles. Je sais, vous m'envoyez des commandes des États-Unis. Mes amis, je n'ai pas le temps. Le roi aussi n'a pas le temps. Qui va aller envoyer à la poste des trucs comme ça? C'est pour ça que vos commandes des États-Unis, je ne peux plus faire ça maintenant. Parce que je travaille. Donc, commandez ici. Vous commandez, je vais vous faire venir ça. Je m'en vais là en livraison. Il y a une qui a commandé le caillou. Oui, caillou, en fait, il restait deux. Puis j'ai dit, il restait un. Il y a une qui a pris un. Donc, j'ai le deuxième caillou qui est là. Il y en avait 10. Tout est parti. Voilà, le dernier caillou. Lydia Okema, comment ça va? Le dernier caillou qui est là. Partagez, parce que le sujet que je vais toucher. Oui, masser. Voilà, les hommes, masser le zizi. Amouignan, qui m'appelle? Mon voyage, qui ne me voit pas en direct là-bas? Ah, bé. C'est qui ça? Oh, là, go. Attends, je vais mettre ça sur silencieux. Sinon, on ne va pas faire le direct là. Bref. Donc, c'est ça. Commandez le dernier caillou. Je m'ai livré l'autre caillou. Ma chérie, quand tu habites à Montréal, là, il m'a été livré ton caillou. Je n'ai pas le temps. Donc, il me reste ce caillou-là. Merci beaucoup pour la robe. Merci. OK. Atote, est-ce que lui, il est à présenter encore? Atote. Petit verre de Koutoukou. Hein? Comment on appelle ces verres-là? Les petits verres, j'ai oublié le nom. Des tout petits verres, vous prenez ça. Chaque couple doit avoir un petit atoté au chevet de son lit. C'est ça qui est là. Atoté, celles qui ont pris, elles m'ont envoyé le résultat d'atoté. On ne parle plus trop maintenant. Il y a des produits, on n'a plus besoin de trop parler. Le miel, ça c'est le bon miel de Cassiola Corogo. Vous qui avez pris le miel, vous m'avez donné des nouvelles. Il y a des produits, il n'y a plus besoin de trop taper dessus. Voilà. Maintenant là, j'ai un peu de Aja. Aja aussi. Aja qu'on prend pour faire nos chefs, on prend pour faire nos riz. Tout et tout. Donc, si vous voulez le Aja, vous rentrez en contact avec moi. J'ai le rouge. Est-ce que j'ai le brun? Le brun est fini. C'est le rouge que j'ai. Donc, rentrez en contact avec moi. Les produits secs. Vite, vite. Chap, chap. Il n'y a pas tant. Afi. Champignon brun. Si encore. Comment on appelle ça? Quand, c'est une poudre qu'on met sur les trucs pour consommer. Et puis, ça, c'est le piment. Piment très fort. Le piment garçon, piment diagonal, c'est quoi? Ça veut dire piment garçon en gouro, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui est là. Hein? Voilà, ça c'est le gnagna. Ça, c'est le piment et puis le djunglé. Djunglé, qu'est-ce que c'est? C'est la poudre de gombo séchée. Voilà. Voilà, ça c'est, comme on appelle, pâte d'arachide. Ça c'est la pâte d'arachide, c'est ça qui est plus brun. Ça, c'est le, comment on appelle ça, pâte de pistache. Commandez. Petit marché, zouzou, wawa, je ne connais pas l'argent. Ne m'en wari là, zouzou, wawa. C'est ça qui est là. Ça, c'est la poudre de maïs blanc. Vous voulez le maïs blanc, Kabato, là, c'est son blanc qui est là. Le jaune est fini, le gris est fini. Ça, c'est les moitiés de foufou, j'en ai. Ouais, j'ai quelques-uns, j'en ai commandé. Marché, zouzou, wawa, je connais pas l'argent, Ne m'en wari là. Le piment de foufou. L'huile rouge, très bonne qualité, plus à présenter, je connais pas l'argent. Ne m'en wari là. Ok. Atieke, Abodiama, je n'ai plus d'atoukou. La toukou est finie, je m'excuse. J'ai vu qu'il y a une grosse commande de toukou qui est rentrée. Malheureusement, je n'en ai plus. Ok, Atieke, j'ai Atieke à Bodjama. Oh là là, c'est dans le... J'ai l'Atieke à Bodjama que j'ai. Atieke, il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai ces petites boules-là, j'ai les longues. Ça y est, dans l'autre congélateur, j'ai des affaires dessus. Ok. J'ai les gros crabes, oui, ma chérie de Québec. Je comprends que tu as envie de manger les crabes. Bébé demande crabe dans le ventre là-bas. Mais maman, Amounia, il n'y a même pas de temps pour dire qu'il est prêt à aller à Québec actuellement. Donc, on va patienter. Si j'ai une occasion que quelqu'un va à Québec, je vais faire ton petit colis pour t'envoyer. Pour le moment, là, je ne pourrai pas. Les crabes, ça, c'est les crabes de lagune. Crabes frais, j'en ai des gros avec des œufs. Voilà, c'est ça. Voilà.
Feuille de patate, feuille de patate, feuille de tikriti, 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 tikriti. Voilà, j'en ai un peu. Il m'en reste un peu encore. Feuille de patate, feuille de patate. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les poissons magnes. Poissons magnes. Poissons magnes, en bon français, le hareng fumé. C'est ça qui est là. Poissons magnes. C'est le seul poisson fumé que j'ai. Broché, c'est fini. Voilà. Ensuite, le poisson thon. Thon salé. Thon salé de garba, thon pas salé. Ça, c'est salé de garba. Il y en a non salé aussi qui est là. Ensuite, le poisson sol qui est là. Poisson sol, frais, très bon. J'ai aussi le poisson soso. Voilà, crevette séchée, crevette séchée, crevette séchée. Marché zouzou, wawa, je ne connais pas l'argent, je ne connais pas l'argent. Voilà, je m'en vais me laver les mains. Je vous parle du sujet. Atiéké, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Partagez, 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 partagez. Voilà. Ok, je suis là. Donc, j'ai les moitiés, j'ai tout ce que je vous ai présenté. Les terrains. Voilà, me voilà. Ok, je suis là. Merci, moi, merci beaucoup d'être connecté. Les terrains du côté de Bergerville, c'est des 500 mètres carrés. Ces terrains-là sont situés entre Bergerville et la ville de Bassam. C'est des terrains, comme je vous ai dit, si vous êtes prêt à construire maintenant, ce n'est pas votre projet. Voilà. Christine Koumassi, pourquoi on va être ici et puis on ne va pas manger africain? Les Chinois mangent leur manger, les Latinos mangent leur manger. Pourquoi nous, les Africains, on ne va pas manger? On mange notre nourriture. Voilà, on mange notre nourriture. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, c'est des 500 mètres carrés, c'est des terrains payables sur 2 ans après un premier montant que tu donnes. Les terrains aujourd'hui, là, je sais, c'est comme les gens sont un peu hésitants. Oui, certaines personnes sont hésitantes, c'est tout à fait normal parce que derrière les affaires de terrain, c'est comme derrière l'affaire de l'immigration. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a tout ce qui vient avec. Mais la question que vous devez vous poser, qui fait la promotion de ces terrains? Voilà. J'ai compris pourquoi le son n'est pas clair. Ouais, le AirPod était déjà déchargé. Dieu merci, j'ai vu. J'attends, il met ça loin. Ok. Est-ce que le son est clair là? Le son est clair? Ok. Dites-moi si le son est clair. Donc, chacun sait ce qu'il est venu chercher sur les réseaux sociaux. Moi, je sais ce que les réseaux sociaux... Comment voulez-vous que je revoie mon téléphone? Ok. Dites-moi, Malika, comment tu vas? Oh. Dites-moi si le son est bon. Le son est clair, c'est parfait. C'était le AirPod parce qu'il était un peu déchargé quand je l'ai mis pour communiquer. Donc, n'hésitez pas pour vos communications, pour vos terrains, pour l'achat de vos terrains. La question que vous devez vous poser, qui fait la promotion de ces terrains-là? Qui est en avant de ces terrains? Merci beaucoup, Aimé Kone. Qui est en avant de cette communication? C'est ça le plus important. Comme je disais à une impactée ce matin, les procédures d'immigration dans lesquelles vous êtes, la question que vous devez poser, ces procédures qui ne bougent pas, posez-vous la question de savoir, est-ce que ma procédure est dans la main de quelqu'un de fiable? Est-ce que ma procédure a été vraiment acheminée à l'immigration? C'est là que, c'est-à-dire, c'est à cette partie-là seulement que tu dois t'en tenir. Maintenant, combien de temps ça fait? Je suis en train de lutter un peu avec ma petite ici pour qu'elle vienne vous faire son témoignage. Le problème, c'est que quand des gens arrivent au Canada, on veut qu'ils fassent leur témoignage, qu'ils expliquent aux gens comment il y a du stress derrière ces procédures d'immigration. Mais vous connaissez les Africains, souvent ils sont hésitants. Non, la mère, j'ai tant. Les gens ne veulent pas venir expliquer leur témoignage. C'est pour ça que parfois, quand vous êtes dans cette procédure-là, vous stressez, mais ne stressez pas. Je vais vous faire une petite vidéo après, tantôt même quand je serai sur la route. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, ma petite soeur, Madame Cissé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui arrive? Les pas, ils n'hésitent toujours pas, j'en ai. Les procédures d'immigration, ça se poursuit. C'est comme ça que ça dure, c'est comme ça que ça traîne. Et puis des gens sont rentrés au Canada, voilà. Je suis sur les réseaux sociaux, aucun genre de sabotage, je n'ai pas eu. J'ai eu sabotage, je continue d'avoir sabotage. Hein. Moi, je ne comprends pas des gens. Mais comme j'ai dit, la société...
l'association des Ivoiriens, je vous prends un témoin ici, on ne va pas pleurer. Ce qui va arriver là, on ne pleure pas. Hein? Il y a le game, et puis il y a le dénigrement. Et puis il y a, comment on appelle ça, il y a quelque chose qu'on va dire qui va entacher ton travail, qui va entacher, ça dit, ta réputation. Là, ce n'est plus le game. Donc, association des Ivoiriens, ce qui va arriver là, on ne pleure pas. Il n'y a pas pardon. La première fois, un individu m'avait insulté, c'est les Ivoiriens qui ont demandé pardon à mon mari. Mais pour cette fois-ci, ce qui est en train d'arriver là, c'est devant les tribunaux qu'on va se traiter. C'est ce que j'ai dit. Je m'arrête là. On ne pleure pas. Cette vidéo-là, prenez-la, vous allez la regarder. On ne pleure pas. On ne vient pas demander pardon. On ne vient pas faire quoi? C'est devant les tribunaux qu'on va se retrouver là-bas. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Chacun va envoyer ses preuves à la justice. Tes preuves. Ce que tu as filmé sur les réseaux sociaux, tu as donné la preuve palpable. Voilà. Et puis moi, j'ai envoyé pour moi. Mon avocat a saisi tout. C'est comme on va faire pour te retrouver, pour aller te donner ta mise en demeure. C'est sur son nez. On pleure pas, hein? Ouais, oui. On pleure pas en classe. Ok. Parce que moi, quand je n'aime... Si je n'aime pas les idées d'un blogueur, je ne vais pas sur sa page. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter des gens dont vous ne comprenez pas. Depuis matin, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Là, tu... Vous comprenez? Bref, je m'arrête là. Mes amis, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité. Au Burkina Faso, il y a une actualité là-bas en ce moment qui fait rage. Vous avez vu, j'ai mis le nom d'une dame, Nicole Condolo. Ça, c'est mon impact très, très fort. C'est ma fille. Des filles, j'en ai comme ça, plein. Quand elle dit les filles, là, c'est pas celles que j'ai accouchées de mon ventre. Ce sont des gens qui m'ont vu sur les réseaux sociaux qui ont dit, cette femme-là, je veux qu'elle soit comme ma mère. De par ses idées, de par l'accompagnement que je fais à ces filles-là. Elles sont pleines, comme dit maman, toi tes filles. Mes filles, mes fils, ils sont nombreux partout. Au Canada, ici, en Afrique, il y en a plein. C'est comme ça, Nicole-là, elle m'a rejoint depuis le Burkina Faso. De par mes idées, quand elle est arrivée au Canada, je l'ai accompagnée, je l'ai aidée à dissiper toutes ses craintes. Tout. Et puis, Dieu merci, ça se passe bien. Donc, elle m'a pris comme ça, maman. Tu peux avoir des filles avec lesquelles tu partages des idées. Et puis après, sur les réseaux sociaux, ça ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas pour autant que quand ces filles-là viennent te descendre ou bien viennent faire quoi, tu as une placée caméra pour une leur répondre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie. Parce que si tu avais dit que tu es sa maman, tu restes sa maman. Maman, enfant même que tu as accouché dans le ventre là, et elle et toi, il y a problème. À plus forte, quelqu'un qui t'avait vu, qui t'a estimé. Donc si ça n'a plus donné, ça n'a plus donné. Donc des milliers d'enfants, j'en ai beaucoup. C'est comme ça, Nicole Condolo. Elle est secrétaire de direction à l'université de choses à Gatineau. C'est là-bas qu'elle est. Elle a travaillé au Burkina Faso, elle est rentrée avec son garçon. Je l'ai encadré, tout. Dieu merci. Elle est devenue quelqu'un ici au Canada. Oui, elle est devenue quelqu'un. Ce débat-là fait rage au Burkina Faso. Le problème, qu'est-ce qui arrive? Des filles qui ont eu des enfants, pendant qu'elles n'ont pas encore terminé les études, elles se retrouvent avec ces enfants-là sous la main. Et ces filles-là vont à l'école avec les enfants en milieu de cours. L'école, pendant qu'elles vont prendre les cours, elles vont en classe avec ces enfants-là. Donc, ça a soulevé un tollé au Burkina Faso. Elles ont été mises dehors. On leur a dit, faites un choix. Soit vous restez avec vos enfants à la maison, ou bien vous revenez toutes seules. Donc, le débat fait rage en ce moment au Burkina Faso. Oui, c'est vrai, c'est au Burkina Faso, mais ça, c'est un problème qui peut arriver partout. Je vous donne un exemple. Il y a 7 ans de cela, quand j'étais à l'Université de Montréal, on a une de notre prof, elle était notre prof, et puis elle était la directrice de notre programme, Madame Major. Allez voir son nom à l'Université de Montréal, Faculté d'éducation permanente. C'est Madame Major qui était la responsable. Maintenant, elle allait à la retraite. On était confrontés à ce problème-là. Pour être honnête, la majorité des celles qui vivaient ce problème, c'était les immigrantes. Oui. Ça arrivait une fois avec une fille africaine. Je ne me rappelle plus son origine, mais plus avec les femmes arabes. Par 2-3 fois, elles ont commencé à venir avec les enfants au cours du soir. Oui, les enfants avaient 8 ans, 9 ans, tant. Elles mettaient sa tablette sur silencieux et puis se mettaient en arrière du coup. Elles venaient. On n'a pas eu de bébé guinguin dans notre classe, mais plusieurs fois, des mères venaient avec des enfants en milieu de cours.
C'est là, mon fils Alexandre Kwame, sois salué. Voici un de mes bons fils. Je suis allé à Abidjan, j'ai dit, ce garçon-là, ce qu'il a fait pour moi, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse, mon fils. Donc, des fils-là, j'en ai des milliers partout. J'ai mis la photo de Daniel Axel Bouchard. Il y a quelqu'un qui me dit, ta fille, quoi, ma fille. Maman, il était réveillé, puis il était laissé. Il était venu ta part, là. Tout de suite, ta part. Maintenant, je vais être comme ma soeur. Comment elle s'appelle? Une de mes soeurs sur les réseaux sociaux. Tu abonnes, tu mets un commentaire, bande de con, elle t'insulte. C'est ce qu'elle va faire. Et puis vous allez respecter ma page. Et comme je dis souvent, je vois vos commentaires et puis ils passent. Mais n'importe qui se permet de venir remuer la soupe sur ma page. Maintenant là, tu poses un commentaire là, hein, pas que ça ne va pas dans mon sens. Si ton commentaire vient pour me rabaisser, pour que des gens viennent rire de moi sur ma page, je t'insulte. Hein, je t'insulte, je descends même ta mère et puis ils passent. C'est ça qu'elle a maintenant, ça ne chauffe pas. Donc, à un moment donné, il y a un garçon qui était venu, elle avait envoyé son enfant, il a commencé à faire, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a enlevé le son, ça a perturbé la classe. Après ça, il y a d'autres classes où des étudiants ont commencé à se plaindre, ils ont suspendu, il y a une note qui est passée, Madame Major a fait la note pour nous dire, plus jamais on vient avec les enfants au cours, arrangez-vous avec vos enfants. Il n'y a pas eu de remue-ménage, c'est clair. Donc ce problème-là est soulevé aujourd'hui au Burkina Faso. Nicole Kandolo qui est ici, comme je dis ici à Gatineau, elle a fait un article, oui, elle a fait un article. Hey, Romy, comment vas-tu? Oh, ça c'est ma soeur, ça. Merci beaucoup, sois bénie. Donc, elle a fait un article où elle a soulevé ce problème-là. Et quand elle a vraiment détaillé tout, la conséquence qui vient avec ça, quand mettre ces jeunes filles-là dehors, tout et tout, elle m'a fait lire cet article-là, je l'ai bien lu. La proposition que Nicole avait fait dans son article, elle a dit, mais au lieu de chasser ces jeunes filles-là, ben, c'est mieux que on puisse construire au moins quelques garderies hein, autour de ces, comment on appelle ça, autour de ces universités-là, oui, parce qu'on est en train de parler des étudiantes, hein, autour de ces universités-là, pour aider, pour soutenir au moins ces jeunes filles-là. Oh my God! Oh my God! J'ai dit que ça fait couler de l'encre. Mes amis, partagez. Ben, ça, c'est un fait de société. J'ai dit qu'aujourd'hui, les avis sont partagés. Moi, je vais donner mon opinion là-dessus. Et dans l'article de Nicole, quand elle avait soulevé ça, tu es au Canada, là-bas, tu penses que quoi? Est-ce que l'université McGill a une garderie? Est-ce que l'université de Montréal, bref, les personnes qui vivent ici au Canada se sont soulevées. Ceux qui sont en Afrique, tout et tout. Moi, quand elle m'a envoyé l'article, je l'ai bien lu, j'ai compris. Je vais vous donner mon opinion. J'ai dit que quoi qu'on dise là, il y a des réalités qui sont ici qu'on ne peut pas systématiquement mettre en application en Afrique. Mais ce que Nicole Kandolo avait dit, c'est pas que c'est quelque chose tout de suite, là. Étant donné qu'il y a un problème, le problème est là. Mais on doit donner des solutions à long terme. Ici, dans les pays développés, des mesures qui sont prises, c'est pas tout de suite, là. Quand on essaie de mettre l'idée, c'est pas tout de suite que l'idée rentre en vigueur. C'est pas tout de suite qu'on met ces idées-là en application. On peut émettre une idée aujourd'hui avec les conséquences qui arrivent face à la situation. Et puis cette idée-là, on va voir que c'est 10 ans plus tard, c'est 15 ans plus tard qu'on essaie de mettre vraiment ce plan-là en marche. Donc c'était dans cet esprit-là que Nicole avait dit ça. Ben pour vous qui avez dit que est-ce qu'il y a des garderies autour des universités, ben je suis là pour vous dire. En bas de l'université de Montréal, il y a une garderie qui est là. Oui. Il y a une garderie qui est là. En réalité, cette garderie-là, c'est pour les parents qui fréquentent cette université-là. Oui, au départ d'abord. Parce qu'on s'est dit que si tu es étudiant, mes amis, je ne vois pas. Emerson Ntapé, comment vas-tu? Vous êtes là? Partagez le direct. La réalité d'ici et puis celle de l'Afrique, oui, c'est pas pareil. Mais des idées, on peut les émettre. C'est ça le but de ma vidéo. L'affaire se passe au Burkina Faso. Nicole a soulevé le problème, mais on chasse des jeunes filles de l'école. Mais elles, les enceinteurs, on va aller voir là, les enceinteurs là, c'est des étudiants comme elles. Ces étudiants-là vont... Oh, merci beaucoup, la tenue est belle, hein. Ah mon mia, j'ai dit que... Mais voilà, voici la tenue. Voilà la tenue qui est là. Voilà, l'hiver en train de finir, non? Donc c'est ça. La femme terriblement mariée, elle est là, souffrait de ça. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des choses qu'on peut, mettre facilement. Je suis là pour vous dire qu'à l'université de Montréal, il y avait une garderie. Mais la garderie qui était là, les étudiantes là, toutes les étudiantes qui sont là, ne vont pas venir mettre leur enfant. Et puis les garderies ici, c'est selon les places, c'est par ordre d'arrivée. Il y a beaucoup de facteurs. Donc il y a tous ces éléments.
seulement là. Mais quand elle émet cette idée-là, c'est pour dire à long terme, on doit penser à mettre au moins quelques garderies autour des universités. Parce que ce n'est pas normal qu'on mette ces filles-là dehors. Pendant ce temps, les enceinteurs, souvent, qui sont des jeunes, eux, continuent d'aller à l'école. J'avais fait une vidéo par le passé où j'ai dit, ce n'est pas normal que quand ces filles-là, elles sont enceintes, on chasse, vos filles sont enceintes, vous les chassez de la maison et puis vous les emmenez dans la famille de ces jeunes qui l'ont enceinte. Ce jeune-là, il continue d'aller à l'école. C'est ça, les mentalités ont bien évolué. Tu comprends? Les mentalités ont évolué. Donc, il faut que vous compreniez que même si ta fille est tombée enceinte, ça demande un accompagnement. Mais ces filles qui s'en vont avec les enfants à l'école, pourquoi elles vont à l'école avec ces enfants? C'est parce qu'elles ne sont pas accompagnées par ces jeunes pères-là. C'est parce qu'elles ne sont pas accompagnées par ces hommes qui les ont enceintées, souvent qui sont des hommes mariés. Uh-huh. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es une kiza et puis tu dois te faire enceinter par un homme marié, ben la conséquence qui vient, il faut assumer. Uh-huh. On va aller fouiller dedans là. C'est des filles, souvent c'est les hommes mariés qui ont fait des enfants ou bien avec des jeunes irresponsables. Donc c'est là que Nicole Kondola dit non, on ne va pas taper tout de suite là-dessus. S'il y a des moyens qu'on doit chercher pour aller aider ces filles-là, pour soutenir ces filles-là dans leur milieu, ben, il faut qu'on les soutienne. On ne va pas aller, ça dit, pousser une fille pour dire non, si, tant que tu n'as pas de ça dit, puisque tu as un bébé, reste à la maison, ne viens pas ici. Oui, c'est vrai, on ne peut pas venir avec un enfant dans une classe parce que c'est perturbateur. Ça peut perturber. Au-delà du fait que ça peut perturber, je donne, il y a des cours à l'université, comprenez. Des cours comme la violence conjugale qu'on faisait, il y a des informations dedans qu'on donnait. Des enfants qui ont moins de 10 ans ne doivent pas savoir ce genre d'informations-là. Alors que quand c'est un cours qu'on donne aux adultes, c'est ça, ce sont des cours qui sont faits pour des adultes. Donc il y a des expressions que le professeur va employer parce qu'on est des adultes. Mais quand il y a des enfants de 10 ans, des enfants mineurs qui ne sont pas supposés dans cette classe-là, donc moi je trouve que c'est tout à fait normal que ces filles-là, on ne leur donne pas l'accès aux cours quand elles ont ces bébés-là, parce que c'est des bébés qui ne sont pas supposés être dans cette classe-là. Et puis, ça dit, ça peut perturber aussi les autres. Maintenant, quelles sont les solutions? Ben, les filles, la réalité, elle est là. Mm-hmm. Quand ça veut dire que on parle de l'université, ça veut dire que tu es grande. Ça veut dire que tu es capable de savoir que si je m'en vais avec un homme sans me protéger, si je m'en vais avec un homme sans prendre toutes les mesures qui viennent avec, ben, la conséquence qui vient, tu assumes. Ah oui, vous êtes des filles adultes, vous n'êtes pas des adolescentes. Pour dire, même les adolescentes ici, on les sensibilise. Rendu à partir de 14 ans déjà, on commence à lui dire, ben là, tu es responsable de ton corps, fais attention de temps en temps. Tu comprends? On leur explique tout le mécanisme qui vient avec. Mais donc, vous êtes des adultes. Comme moi, je le dis, la liberté vient avec la responsabilité. Quand tu es une adulte et puis tu décides de faire un enfant, oui. Quand tu es rendu à l'université, que tu fais un enfant, ça veut dire que tu es consciente du fait. Maman, si le gars est là, tu t'en es lui, sans capote, mais attends-toi une grossesse. Donc, quand la grossesse arrive là, c'est parce que tu sais où tu m'as eu cette grossesse-là. C'est ça. En plus, tu vis au Burkina Faso, tu vis en Côte d'Ivoire, tu vis au Cameroun, tu es étudiante. Mais quand tu es en train de prendre cette grossesse-là, tu dois connaître le support qui vient avec. Qui me soutient dans cette grossesse-là? Est-ce que le père, il sera un père implicatif? Est-ce qu'il va être à part entière jouer son rôle de père? Donc, quand vous faites ces enfants-là, ben, attendez voir comment vous allez pouvoir supporter. On ne fait pas des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants. Dans ma tête, aujourd'hui, une étudiante qui tombe enceinte, c'est parce que tu as envie de tomber enceinte. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Donc, comme j'ai expliqué à Nicole, je suis d'accord avec ce que tu proposes. Parce que ce que Nicole propose, c'est quelque chose qui est bien. On doit y penser. Normalement, dans une société, autour d'une université, il doit pas avoir une garderie loin. Tout et tout. Bref, d'abord, en premier lieu, pour le personnel. Voilà, le personnel qui donne les cours dans ces universités-là, le matin, il vient, il dépose son enfant à 7h, il a son cours à 7h30, l'enfant est là, il finit l'école, il prend l'enfant. Mais dedans aussi, on peut essayer de voir comment donner la place à certaines étudiantes qui sont mal prises, mais on ne va pas dire à une étudiante de venir avec son enfant au cours, parce que c'est ton enfant, c'est ton choix. Cet enfant, tu ne l'as pas eu suite à une agression quelconque. Tu as eu cet enfant de ton plein désir. Toi-même, tu as écarté avec tout le plaisir qui vient avec maman, le plaisir qui vient avec là. Et tu ne viens pas l'imposer à la société. Une société qui a déjà de la misère à retrouver ses repères. Oui, l'Afrique, les pays ne sont pas encore bien développés. Vous comprenez? Les pays ne sont pas encore bien solidifiés. Tu comprends? Et puis, c'est ce que je disais à Nicole. Je dis, penses-tu que le problème de ces filles-là, ça va être un problème majeur pour nos politiques en Afrique?
On a qu'à se dire la vérité. Pays même où pour manger, la population va manger ses problèmes. Maman, tu t'as fait ton enfant. On a qu'à prendre la charge de ton enfant pour venir déposer sur la tête des ministères. Encore non. Mais on est obligé de mettre, ça dit que des solutions à long terme. À long terme, c'est ça. Il faut qu'on essaie de soutenir ces filles-là. Mais nous, on est là pour vous donner des conseils clairs. Ma chérie, tu n'as pas encore de situation. Si tu t'en as fait un enfant, ça veut dire que le père de l'enfant a une petite situation. Tu comprends? C'est clair, si tu t'en as fait un enfant, on ne peut pas aller faire un enfant alors que nous deux, on est remis, on est grillés devant, derrière. C'est clair. Donc, quand tu t'en as fait un enfant aujourd'hui, les familles africaines d'aujourd'hui, là, pour soutenir même, là, ils vont regarder si lui qui t'enceintait, au moins, il est un peu quelque chose. Maman, si lui qui t'enceintait n'est pas quelque chose, tu vas souffrir avec l'enfant là-bas comme si tu n'as pas de parents. Vous pouvez imaginer en Afrique, l'Afrique, le continent où on dit il y a du monde, le continent où on est solidaire, où les familles se soutiennent. Ça, c'était avant. Les familles d'aujourd'hui soutiennent leurs enfants que quand l'enfant là, elle marche bien, elle marche avec quelqu'un qui a un peu, elle marche avec quelqu'un qui a voiture. Ce sont ces familles là, ce sont ces filles là que les familles soutiennent. C'est avant, nous, nos mamans disent, bon, c'est pas grave, même si son papa est fâché, on va l'aider, on va aller prendre les délégations pour demander pardon au père, pour que le père accepte. Mais les pères d'aujourd'hui sont matérialistes. Les mères, même là, ça dépasse jusqu'à fatiguer. Donc, ma chérie, si tu es une jeune étudiante, tu n'as pas encore fini l'école, nous, on est là pour donner un conseil de préservatif. Les préservatifs qui sont, quand on fait la publicité, là, c'est pas pour sécher ça au soleil là-bas. Les préservatifs là, c'est pour les utiliser à bon escient. Préservatif, ça veut dire que tu es avec quelqu'un, tu n'as pas encore structuré. Si je suis mariée ou bien je vais me marier avec ce monsieur, je ne vis pas avec ce monsieur encore. Il faut que je me protège pendant les rapports sexuels. C'est ça qui est là. Parce que les pères ne vous soutiennent pas, les mères ne vous soutiennent pas. Bon, si père et mère ne vous soutiennent pas, c'est tant ou cousine qui va te soutenir. Tant ou cousine ne va pas te soutenir. Donc, quand vous êtes à l'école, concentrez-vous sur l'école. Voilà. Regardez où vous allez. Enfant, là, ça ne presse pas. Enfant ne presse pas. Voilà. Mais si tu as fini l'école, que tu ne travailles pas, tu vois que le temps est en train de passer, que tu as un partenaire au moins qui a le travail. Oui, il a le travail. Tu vas chercher au moins aller faire ton petit enfant, un enfant. C'est ça. Patrick Akakokel, comment ça va? Donc, c'est ça. Donc, il y a la réalité d'ici là. Ici, la réalité même, elle frappe ici. Donc, cette réalité d'ici là, on ne peut pas tout de suite la mettre en application. Nous, le conseil qu'on peut donner aux jeunes filles, tu as l'école, concentre-toi sur l'école. Enfant, là, ça ne fuit pas. Voilà. Donc, maman, tu fais enfant en Afrique là-bas, où tu viens, un enfant à l'université, elle le mettait enceinte. Lui, il est où? Là, Wani, il est passé où? Donc, il n'y a pas metté enceinte. Il a fui ses responsabilités. C'est clair. Donc, c'est lui qui t'a enceinté. La patronne de Bengue, comment vas-tu? Bien arrivé. C'est lui qui t'a enceinté, n'existe pas. Donc, ça veut dire que tu trouves le moyen de garder cet enfant-là à la maison. Tu trouves quelqu'un. Parce que le compte, c'est que dans l'article, c'est qu'elles vont à l'école. Pendant qu'elles sont en classe, elles donnent. Tantine cousine se cherche. Elle dit, Tipone, comment vas-tu? C'est ça. Faire des enfants à la charge des autres, ce n'est pas la peine. Comme moi, j'ai dit que je suis tellement chanceuse, je sors d'une très grande, grande, grande famille. Mon père a fait beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si c'est pareil, mon père a fait beaucoup d'enfants. Mais ceux même qui sont bien assises là, c'est deux enfants, trois enfants. Elles ne font pas beaucoup d'enfants. Parce qu'on a vu ce qui est dans beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, là, on sait ce qui est dedans. Et le problème d'affaires de beaucoup d'enfants, quand ce père-là n'est plus là, désormais, c'est les aînés qui vont vous occuper. Ça fait que ces aînés-là, souvent, à force de s'occuper des frères, les aînés même, vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont laissé eux-mêmes leurs enfants pour compte. Pourquoi? Parce que le père avait fait beaucoup d'enfants, il n'est plus là, c'est toi l'aîné maintenant qui prends la relève. C'est clair. Donc, beaucoup d'enfants ne donnent rien. Vous êtes des filles, on sait que passer 30, 35 ans, ça commence à se compliquer. Maman, passer 35 ans là, tu attrapes quelqu'un là-bas, quand tu fais ton un enfant. On sait que tu es. Mais tu ne peux pas t'envoyer à l'école dans un pays comme le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, tu fais enfant sans père. Oui. Parce que si le père existe là, tu vas lui dire, ben, attrape ton enfant, je m'en vais à l'école. C'est clair. Donc, la réalité d'ici,
de l'Afrique, elle n'est pas pareille. Voilà, vous comprenez. C'est parce que l'Afrique là, c'est dur là-bas, c'est compliqué là-bas. Mais même quand on fait la formation de préposé, pour les nouveaux arrivants, quand on arrive ici au début, quand on fait la formation de préposé là, les enseignantes là, pourquoi nous passer ce message clairement? Elles disent, si vous savez que vous n'avez personne pour garder vos enfants, c'est le premier jour de l'école aujourd'hui, arrêtez, ne venez plus. Au début, tu dis, aïe, mais pourquoi elle peut dire ça? Mais pourquoi elle dit ça? C'est parce qu'elles ont la preuve. Quand on arrive au stage, ou bien on arrive au tellième coup, oh madame, je ne peux pas rentrer parce que mon enfant est malade, parce que je n'ai personne pour garder mon enfant. C'est pour ça qu'ils ont fait sortir une circulaire, ils ont fait sortir une note. Désormais, tu décides d'aller au cours, n'importe où, quel cours, soit infirmié, préposé. Il faut que tu sois sûr qu'il y a quelqu'un qui garde ton enfant. Parce qu'on dit après, on est pris avec ça. Donc, ma chérie, si tu as décidé de t'inscrire à l'école, c'est parce qu'il y a quelqu'un pour garder ton enfant. Tu ne viens pas imposer ton enfant aux autres aussi qui ont utérus dans leur ventre, qui sont capables de faire enfant, mais pour le moment, tu es attaché ou bien qui savent prendre les préservatifs comme tes collègues, elles prennent les préservatifs pour ne pas faire d'enfants pendant qu'elles sont sur les bancs d'école. Donc, mes chères soeurs africaines, si vous êtes sur les bancs de l'école en Afrique, affaire d'enfants là, à EDAB là, déposez ça d'abord. Quand vous avez fini l'école, vous êtes en train de chercher le travail. Oui, pas aller chercher le travail en Afrique aussi, ça dure. On va pas dire à une femme, faut pas faire enfant parce que tu n'as pas de travail. Mais lui avec lequel tu t'en vas faire l'enfant, assure-toi qu'il est capable de s'occuper de son enfant. Voilà le message. Tu comprends? C'est clair. C'est ça. Donc les mères seules là, il y a des mères seules dans toutes les sociétés. Il y a des mères soeurs qui n'ont pas d'accompagnement, qui n'ont rien. Mais le message que nous, on va vous passer là, quand vous partez pour Mougou là-bas, là, prenez les mesures. Prenez vos mesures là-bas bien. Pour ne pas que ça devienne un problème. Il n'y a pas de solution pour vous. Il y a quelle solution? Hein? Afrique où on n'arrive même pas à soigner les gens correctement. Où les hôpitaux sont à la ruine. Où l'école même souffre là-bas. C'est clair? L'école souffre là-bas. Les étudiants sont entassés. Ils disent, on va avoir problème d'école où on dit, à l'université là-bas, hein, c'est message, c'est témoignage, on m'a envoyé. Université, vos universités qui portent le nom du Faubourg, notre père. On dit, baf, 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 où le professeur va parler et puis ses paroles vont sortir de baf là. Il y a l'étudiant qui ne gagne pas place, qui s'assoit devant baf. Bon. J'étais dépassée. Étudiant ne gagne même pas place jusqu'à ce qu'il vienne barrer le micro de débat. C'est là-bas où déjà les sont entassés dans les universités. Sont entassés. C'est là-bas où on voit souci de elle qui vient à l'école. Elle vient à l'école, elle est son enfant. Donc on a qu'à prendre ça en compassion. Maman, il y a des combats qui sont ici, qui peuvent toucher facilement l'opinion ici qu'en Afrique. Et le comble, c'est que dans l'article de Nicole, ces enfants-là, souvent quand elles sont en classe, elles confient ces enfants-là aux gardiens qui sont devant l'école. Maman, tu confies un enfant aux gardiens qui sont à l'école. Tu sais à quelle agression tu exposes ton enfant. C'est pas la peine. Vous avez compris? C'est pas la peine. C'est pas pressé pour faire enfant. Quand tu fais un enfant, ça veut dire que tu as le moyen de le nourrir. Quand tu fais un enfant, ça veut dire que tu es dans les dispositions de prendre cet enfant-là jusqu'à un certain moment. Quand l'enfant maintenant est libre, et puis maintenant, tu essaies de vaquer à tes occupations. Donc, ma chérie, si tu as fait enfant là, concentre-toi d'abord sur l'enfant. Tu regardes bien l'enfant. Tu en prends soin. Maintenant, quand l'enfant a fini de grandir, tu peux récupérer ton année. Est-ce qu'on a dit que parce qu'une femme a fait enfant, elle continue plus l'école? On peut finir de faire enfant et puis on continue l'école. Donc, moi, ce que je vous donne comme conseil, oui. On s'assoit devant BAF. BAF, où il y a le micro. Et puis, ce que le professeur dit en avant, ça a sorti dans le micro, tout le monde va entendre. On vient barrer baf là. C'est là-bas, on voit souci de haut, elle est venue avec son enfant, on n'a qu'à avoir pitié d'elle. Ma fille, ce que moi je vous dis, c'est ça qui est la vérité. Voilà. L'Afrique, ça veut dire que l'Afrique a des problèmes bruyants là-bas. L'Afrique a trop de problèmes là-bas. Donc, c'est à chacune de marcher les pieds serrés. Voilà. C'est ça qui est là. Attendez, quand vous allez finir l'école. Voilà, vous finissez l'école et puis maintenant, vous faites vos enfants.
Maintenant, si tu as fait enfant, pendant que tu es à l'école, ça veut dire qu'il y a quelqu'un pour te soutenir. Ça veut dire que pendant que tu continues l'école, tu es à l'école, il y a quelqu'un pour prendre soin de l'enfant. Oui, oui, oui. S'il n'y a personne pour prendre soin de l'enfant, ma chérie, tu dois venir t'asseoir pour t'occuper de l'enfant. Parce qu'on mène l'école, on mène l'enfant, c'est l'enfant qui est prioritaire. Par exemple, l'enfant, il est encore petit, il a besoin d'aide. L'enfant, il ne t'a pas demandé de le mettre au monde. Donc, c'est ça qui est là. Donc, Nicole, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Effectivement, ici, c'est chaud en Afrique, hein. Emilène Dogo, c'est chaud là-bas. À tous les niveaux, c'est chaud. Là-bas, c'est ceux qui ont l'argent qui sont bien. C'est ceux qui ont l'argent. Ah bon. Tu as dit un soleil d'air, c'est ça qui est là, moi. C'est ça. Là-bas, c'est chaud. À tous les niveaux, c'est chaud là-bas. Ah. Donc, mes amis, je m'arrête là. On se fait ça. Donc, mes chères petites sœurs, faites enfant quand vous sentez que c'est le moment. C'est le moment. Nous, on n'est pas là pour donner conseil d'avortement. Bon, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle partait dénoncer une clinique. Quand je suis venue, on m'a dit, j'étais enceinte, je suis allée enlever la grossesse. Jusqu'à quand il y a fait ça, ça m'a donné la grossesse. Maman, à l'ère 2023, là, d'autres pleurent pour enfants comme ça. Il y a des femmes même qui ont tous les moyens, elles pleurent pour enfants. Pour aller faire truc de yé yé, on s'en va enlever grossesse, on vient parler de ça sur les réseaux sociaux. Aïe, man. Aïe.